Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du poil, du pelage, de la fourrure. Je vais vous montrer ça sur l'exemple de la photo d'un chat, euh, d'une chatte. En fait, c'était Doudoune, c'était ma chatte qui, euh, malheureusement, est, est décédée depuis. Et j'avais eu le temps de faire beaucoup de belles photos de, de cette chatte-là qui était une, un animal adorable. Alors, euh, je vais utiliser une de mes photos, euh, donc voici à l'écran, et j'ai fait un gros plan sur euh, le dessus de la tête pour vous montrer comment on fait le poil de proche, de, de, de près. Alors c'est certain que lorsqu'on fait du poil d'animaux, euh, ça peut être toutes sortes de poils. Il y a des poils courts, il y a des poils longs, il y en a qui sont raides, il y en a qui sont souples, euh, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a de toutes les couleurs. Chaque fois, ça sera... Euh, un cas différent et particulier. Donc on ne peut pas dire il y a une façon de peindre le pelage, la fourrure, mais comment est-ce qu'on fait cette fourrure-là, ce pelage-là, c'est d'une manière, comment on fait celui-là, c'en est d'une autre. Si on fait des poils d'un chat blanc, genre un chat persan, c'est une façon. Si on fait un chien au poil noir, c'est une autre façon. Si on fait un chien avec des poils longs et un peu bouclés, euh, bruns, c'est une autre manière. On fait le poil d'un tigre, c'est encore une autre façon, voyez Et à chaque fois, ça va être différent. Alors c'est sûr, moi j'ai déjà peint, j'ai fait donc un chat noir, j'ai fait euh, un Yorkshire, euh, euh, comment dire, euh, brun, beige. Euh, j'ai fait euh, différentes sortes d'animaux et puis à chaque fois, le poil était différent. Aussi, c'est à la distance à laquelle on se trouve de l'animal. J'ai fait récemment une panthère en aquarelle. Là aussi, le poil, on ne le voyait quasiment pas, c'était de trop loin. Puis c'est un poil ras qui brille, donc vous voyez, c'est chaque fois différent. Alors là, je vais vous montrer comment on va faire la texture de, du poil de chat. On parle de texture. Une texture, c'est plus, on va dire, c'est plus facile, plutôt plus rapide à faire en peinture acrylique qu'en peinture à l'huile parce que c'est une multitude de coups de pinceau qui vont être posés les uns sur les autres. On commence par les profondeurs, donc les foncés. Même un poil blanc va créer de l'ombre, va être foncé dans le fond. Puis là-dessus, on va appliquer les, euh, les couleurs des poils, euh, la couleur réelle du poil finalement. Puis par-dessus, on va rajouter la, la couleur du poil qui brille, qui est dans la lumière et qui brille. Donc on a au minimum trois couleurs, du plus profond vers la surface. Et donc ça nécessite de créer une texture d'un grand nombre de coups de pinceau. Et lorsqu'on le fait en peinture à l'huile, c'est tout à fait faisable. Je l'ai fait, je l'ai montré aussi dans, dans un cours dans ma formation, comment le faire à l'huile. C'est sûr que on est dans la peinture fraîche quand on le fait sur le moment, comme ça. Là, on fait une couche, deux couches, trois couches, quatre couches. Euh, c'est frais, donc tout se mélange un petit peu. C'est un peu plus difficile à gérer. Alors si on attend que ça sèche entre les couches, ça va être aussi facile qu'à l'acrylique, mais c'est plus long on peut utiliser aussi du médium alkyde pour accélérer le séchage de la peinture à l'huile qui va nous permettre de faire admettons deux couches par jour une le matin une le soir ou bien une couche un jour une couche le lendemain on n'est pas obligé d'attendre une semaine de séchage entre chaque couche qui va nous permettre de réaliser notre animal de façon plus rapide que si on attend une semaine que ça sèche entre les couches. Mais encore plus rapide, donc plus facile, c'est l'acrylique. Ce que je vais utiliser maintenant, c'est la peinture acrylique pour vous faire le pelage dans la même séance. Sinon, il aurait fallu attendre que ça sèche entre chaque couche. Alors, on va commencer. Donc, voilà le, le pelage de proche. On va commencer par faire tout ce qui est le plus foncé. Alors, je vais faire du noir. Je fais mon noir. Plutôt que de prendre du noir en tube, je trouve que lorsque je le fais en mélangeant deux couleurs, je vais obtenir un noir nuancé, un noir coloré. Et les couleurs qu'on va utiliser là aujourd'hui, donc j'ai du blanc de titane, du jaune de cadmium moyen, du cramoisie d'alizarine, du terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer. Puis mes couleurs, ce sont des. J'utilise la peinture Golden, qui est de très bonne qualité, très opaque. Elle, elle a une bonne consistance, facile à utiliser. Ça ressemble beaucoup à la Liquitex aussi euh, haute viscosité. Mais je préfère la, la Golden. On a, tu chacun a ses habitudes. Je suis habitué à cette peinture-là aussi. Je l'aime beaucoup. Alors je prends le terre d'ombre brûlé, avec un peu de bleu outre-mer, Et là, je fais un noir, bien entendu, un mélange de deux couleurs assez complémentaires. Et là, je vais pouvoir appliquer ça pour réaliser le fond euh, du pelage. On va y aller. Dans, je vais dessiner un petit peu. Tu sais, on a comme ici une, une zone plus claire, euh, plus foncée, pardon. On en a une autre par ici. Et puis ça monte un peu comme ça. Mais, on a un petit peu des, des, des endroits où il y a plus de noir qu'ailleurs. Mais d'une manière générale, ne vous inquiétez pas, on peut en mettre un peu partout puisque on voit du noir partout à travers le tableau, ah, à travers le poil clair. Pour que ça s'étende un peu mieux sur ma toile, je vais un petit peu mettre de l'eau. Voilà, dans ma peinture. J'en mets généreusement. et... Ça va sécher. J'ai juste le temps de le dire. Ce qui va me permettre tout de suite d'embarquer dans les couleurs intermédiaires. Bon, je ne ferai pas la toile au complet. On va faire juste un exemple ici. Sinon, ça va prendre trois heures. Et puis je suis sûr que vous allez... Euh... Vous n'allez pas aimer ça si c'est trop long. Voilà. Vous voyez donc ici, j'ai mis mon noir, mais c'est sûr qu'on voit encore la toile à travers. On reviendra à en rajouter encore un peu après. Donc là, on va commencer tout de suite à faire. Je nettoie mon pinceau, les couleurs euh, intermédiaires. Et là, il n'y en a pas partout. Je vais faire donc, euh, je vais prendre le brun, le marron, terre dans brûlée avec un petit peu de rouge, et un petit peu de jaune pour l'éclaircir un peu, le rendre un petit peu euh, breu, orangé, un peu plus orangé. Voilà, ici, je regarde sur ma photo ici que j'ai sous les yeux, un peu plus de rouge, pour pas que ce soit trop verdâtre. Voilà, comme ici, voilà, j'ai cette couleur là n'est pas il n'y a pas de noir par ici là je n'en vois pas vraiment là voilà c'est là où nous avons approche du noir ici quelques touches de brun foncé comme ça et tranquillement on va installer on va dire les les nuances hein. on commence pas à faire le poil tout de suite on va attendre hein, on va placer nos Teinte d'abord, un petit peu nos, notre texture la plus foncée. Voilà. Donc le noir finalement n'est plus noir, il se colore tranquillement. Ce qui permet aussi de donner un peu plus de consistance. À la peinture un peu plus d'épaisseur et d'enlever quelques points blancs qui resteraient sur ma toile je peux revenir avec du noir et en remettre là où je voudrais qu'il y en ait un peu plus épais aussi pour cacher là vraiment les points blancs de la toile qui restaient au début alors si on veut faire un tableau en mettant un animal hyper réaliste, vous pouvez très bien aussi euh, mettre plusieurs couches de gesso sur le, la toile, euh, poncer, sabler, euh, remettre encore du gesso, encore poncer, de manière à avoir une toile très lisse. Ou simplement, en faites pas ça sur une toile, prenez du bois, un panneau de bois, euh, masonite, euh, isorel, MDF, pourquoi pas. On trouve dans les magasins de matériel d'artiste maintenant des, des planches qui sont même prêtes à être traitées au GSO, qui sont sur des, des frames, des, des faux cadres de ce format standard pour pouvoir les encadrer après. Voilà, moi j'aime beaucoup utiliser le l'isorel, le masonite. Là c'est pas le cas, c'est une toile cartonnée ou un carton entoilé. Alors je parle un Français de France, des fois un français du Canada, j'essaye parce que j'ai beaucoup de. En fait, la, la plupart des gens qui, qui me regardent euh, dans ma formation et aussi sur YouTube, la plupart des gens sont en France, euh, en Europe, disons, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, euh, les francophones de l'Europe. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de Québécois, de Canadiens aussi. Euh, moi, je. C'est sûr que je, je réside au Québec, donc euh, on a des termes pour certaines choses qui sont différentes en France, mais euh, je suis d'origine française, donc je sais aussi euh, toutes ces choses-là. Alors euh, j'essaye euh, quand je parle de dire les choses en français de France puis en français du Canada, et de manière à ce que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Donc, Masonite, c'est ici au Québec. Isorel, c'est en France. Euh... Couteau en France, spatule au Québec. Et puis j'ai des personnes qui me regardent aussi ailleurs dans le monde. Je sais que j'ai des. Il y a beaucoup de monde aussi en Afrique. J'en ai aussi des gens qui me regardent de l'Israël, du Vietnam, des États-Unis, un petit peu partout. Alors j'aimerais ça, si vous pouvez. Quand vous, quand vous mettez des commentaires là j'aime bien ça quand quelqu'un me dit c'est euh, je sais pas moi c'est Michel de la France wow, c'est bien euh, puis après j'ai du monde au Portugal en Espagne aussi c'est vrai il y, y a du monde un peu partout qui regarde hein. je, je... alors là de suite je m'excuse je, je, c'est sûr que j'ai oublié de nommer des pays d'où vous m'écrivez euh, d'où vous regardez mes vidéos mais j'aimerais vraiment vraiment que vous mettiez dans les commentaires en dessous dans quel pays vous vous trouvez ça serait euh, pour moi c'est une simple curiosité mais dans le sens aussi, euh, je serais quand même euh, assez fier de dire, ah ben tiens, j'ai du monde, comme là je le sais, hein, en Israël, euh, j'ai du monde qui me regarde au Vietnam, et euh, ce sont des francophones, il y a des Français aussi qui ont émigré, qui sont partis dans d'autres pays ou qui sont provisoirement pour des, du travail ou autre, et qui, qui continuent à, à regarder bien entendu les, les vidéos, à faire de la peinture peut-être aussi. Hein. Ah oui, j'ai du monde en Martinique aussi, en Guadeloupe. Euh, euh, oh, il y en a partout, partout, partout. C'est une bonne chose, ça c'est les, les merveilles de, de l'Internet. Hein. Alors vous voyez là, j'ai alterné, euh, du plus clair, un peu plus foncé, plus clair, plus foncé, mais je n'ai pas encore mis les plus clairs. On alterne, on, et toujours, mon coup de pinceau, regardez toujours dans le sens du poil comme je le vois sur la photo. Et tranquillement, même pendant qu'on jase, pendant qu'on parle, on jase au Québec, on parle en France, on discute. Et voilà, on, on installe petit à petit la texture du poil. Et vous voyez, j'ai conservé les zones noires, pour là où il va y avoir du noir qui reste ici, là bien foncé. Et euh, il va nous rester à appliquer les plus clairs. Alors les plus clairs, eux, ils sont vraiment beaucoup plus... Texturé, mince. Et là, je vais utiliser un pinceau plus mince, plus petit, le traînard. Mais entre-temps, je peux aussi utiliser un pinceau un petit peu plus petit pour continuer à faire ce genre de travail. Je vais remettre du terre d'ombre brûlé. Oh, c'est pas lui. Parce que je l'ai tout consommé. Voilà. Voilà, vous voyez, on peut continuer avec ce petit pinceau-là à apporter des petites touches comme ça. Alors, on est toujours dans le foncé, mais on va pouvoir, par exemple, éclaircir un petit peu plus avec plus de jaune, de rouge et moins de marron, moins de terre d'ombre brûlée. Et là, on commence à être un petit peu plus clair. Si jamais vous voyez que votre couleur devient trop verdâtre, eh bien, c'est qu'il faut rajouter un peu plus de rouge. Hein. Vous voyez, je viens juste tenir mon pinceau comme ça, puis. J'effleure à peine la toile, donc ça commence déjà à faire des petites lignes sans être obligé d'utiliser un pinceau trop mince comme un, linia, un ligneur. Alors, traînard, traînard, traceur, ligneur, euh, en anglais c'est rigueur. Euh, euh, quel nom utiliser, ça va dépendre des marques, des modèles et des magasins où on les achète. Alors, là aussi, je suis obligé d'utiliser plusieurs termes pour le même objet. Ça va être ça, vous voyez. Vous appelez ça comment, vous Un traceur un ligneur, un traînard. Ça dépend de, des endroits, ça dépend des, des magasins. Alors les poils sont courts, hein. des petites touches, des petites touches, vous voyez. Là, j'aime ça parce que ça commence à, à faire apparaître un petit peu la texture. Alors, combien de temps on mettrait pour faire un tableau comme ça Ça peut être très très long. Un, un tableau, en fait, le chat au complet, un hyper réaliste, ça va prendre. Et combien de, de coups de pinceau, c'est très 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 long, mais c'est euh, à force de mettre des petits coups de pinceau qui ça va donner vraiment beaucoup beaucoup de réalisme. Mais on peut aussi peindre un chat euh, impressionniste hein, euh, avec des, des touches moins euh, précises, moins définies. Là, on va faire ça quand même assez réaliste, mais pas hyper réaliste parce que on. Ouf. Il faudrait que je fasse comme tout le monde une vidéo accélérée, puis c'est pas mon but là. Je ne veux pas faire quelque chose qui a déjà été fait, qui a déjà été montré. Les vidéos en accéléré où euh, vous voyez le pinceau aller très très vite, vous voyez comment on fait, mais il n'y a pas d'explication non plus, ou très peu. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans, le, dans le, les commentaires en dessous de la vidéo. J'y répondrai. Si des fois vous avez des questions techniques, si vous avez n'importe quelle question, posez-les, j'y répondrai. Alors, des fois, je réponds rapidement, des fois pas trop. Si je n'ai pas tout le temps le temps d'aller euh, faire les réponses, mais ne vous inquiétez pas, je vais répondre. Puis c'est moi qui réponds, ce n'est pas une équipe de, derrière moi. Là. Nous sommes une grosse, grosse équipe euh, de deux personnes, ma femme et moi à travailler sur la formation en ligne sur Internet. J'ai donc créé une formation qui s'appelle la peinture c'est facile. Puis c'est pas toujours facile, mais c'est le nom de la formation que j'ai donné. Et puis actuellement il y a 720 membres dans la formation. Ça augmente tout le temps, chaque semaine, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça augmente. Le nombre de cours augmente aussi. On est rendu à 260 cours sur la formation. Et j'en ajoute toutes les semaines de nouveaux cours qui se rajoutent constamment, qui fait que cette formation va être de plus en plus grosse. Alors, ça traite de l'huile, de l'acrylique, bien sûr. Puis là, j'ai commencé à mettre de plus en plus de l'aquarelle. Je mets un petit peu du pastel sec. Dans l'avenir, dans le futur, ça va, se, ça va gonfler en pastel sec, pastel gras. Euh, crayon de couleur, on va continuer l'aquarelle et euh, l'huile les, euh, les, les, et l'acrylique aussi, bien entendu, ça va continuer non-stop. C'est certain que si je mets des, des, des projets à réaliser étape euh, par étape, euh, admettons je mets un tableau à faire en peinture à l'huile, étape par étape, puis un autre en acrylique dans une semaine, ce qui fait que les personnes vont pouvoir. Prendre leur temps de faire ces tableaux-là, les réaliser. Pendant ce temps-là, moi, je mets d'autres cours qui vont être à l'aquarelle, au crayon de couleur ou autre. Et de manière comme ça, j'essaye de donner euh, du contenu pour tout le monde, pour tous les goûts, autant euh, en peinture figurative, le paysage, les animaux, les fleurs, euh, que aussi les, euh, les personnages, le portrait. J'ai tout un module énorme sur le portrait, puis il n'est pas fini, je vais continuer à de rajouter des cours. Un module sur le dessin. Euh, donc, je fais tout le portrait, euh, du portrait à, à l'abstrait. L'abstrait aussi, j'en ai mis dessus de la, théo, de la créativité. Euh, il y a des cours pratiques, des cours théoriques. Vous voyez, c'est intéressant. On commence à avoir une texture assez, euh, euh, on va dire, fine, mais tout enfoncée. Et là, maintenant, je vais commencer à mettre l'éclair. Alors, l'éclair, vous voyez, ils sont très minces. Je ne prends des, pas ce pinceau-là. Je vais y aller tout de suite, tout de suite, avec le petit pinceau, le traînard. Et là, bien sûr, on va garder cette teintes, mais on va y commencer à y rentrer du blanc. Voilà. Avec le blanc, on va avoir une couleur, un petit peu plus de jaune. Voilà, une couleur qui ressemble beaucoup à celle du, du chat, mais euh, dans la lumière, la lumière quasiment la plus claire. Mais on a aussi des, des touches plus foncées. Alors on va rester dans le foncé on va évoluer dans un dégradé de couleur, on va dire de la couleur propre des poils vers la couleur éclairée, voire même brillante des poils. Voilà. Ça, c'est une couleur que nous avons dans les poils. Alors là, ils sont dans ce sens-là. Comme ça. Ici, ils sont dans ce sens-là. Vous voyez, je vais vous les marquer. Il y en a dans ce sens-là ici. Comme ceci. Un peu comme cela ici. Ici, ils sont plus dans ce sens-là. Ici, il y en a un peu comme ça, un peu comme ça. Vous voyez, donc il faudra mettre les coups de pinceau toujours dans le sens du poil. Ici, c'est tout par là. Voilà, dans le sens du poil. Donc on va y aller comme ceci, on en a un petit peu par là. Alors un peu d'eau dans la peinture, plus elle est liquide, mieux ça marche, jusqu'à ce qu'elle soit trop transparente. Alors quand c'est trop transparent, c'est trop liquide, il faut faire attention, il ne faut pas en mettre autant. Il faut trouver juste le, la bonne quantité d'eau. Et là on y va, allez, les coups de pinceau, regardez, on ne les compte pas. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est une très très grande quantité de coups de pinceau à l'infini quasiment, mais on fait attention de ne pas cacher tous les, toutes les teintes noires, les foncées. On va l'éclaircir comme ça petit à petit. Le coup de pinceau dans le sens du poil. Et là, on fait un pelage finalement qui est euh, bien vu quand même de proche. Hein. C'est un très gros plan sur le pelage. On va travailler dans un sens, de, de gauche à droite. Alors pendant qu'on fait ça, eh bien, euh, les autres endroits qu'on venait de peindre ils sont en train de sécher. Ce qui fait qu'on va pouvoir venir dessus. Ça va faire une belle texture qui ne se mélangera pas. Et comme ça, on peut peindre vraiment de cette façon-là, là, euh, en observant bien comme ça toutes sortes d'animaux. De, de, hein. tout, tout, tout. Ah, et puis les plumes aussi, les, les oiseaux aussi. Hein. J'ai fait euh, aussi dans la formation, il y en a plusieurs des oiseaux. Et j'en ferai d'autres encore. J'ai une quantité de photos que j'avais faites aussi de pélicans quand j'avais été à Cuba. Ça aussi, les pélicans, c'est tellement beau comme oiseau. Assez sympathique. Hein Et on les voit de très proche. Alors pendant que je peins les poils, là, je vais vous rappeler aussi que, n'oubliez pas que dans le, la description de cette vidéo, en dessous de la vidéo, donc. Vous avez des liens pour aller voir mon blog, pour aller voir euh, la page Facebook, tout ça, mais il y a aussi pour aller voir, pour euh, obtenir gratuitement une formation, une mini-formation, ou plusieurs, non, il y a plusieurs mini J'ai mis tous les liens que j'avais fait récemment là, pour aller voir euh, une pour obtenir gratuitement des mini-formations de quelques cours de peinture en vidéo. Il y en a une, c'est six cours. Un cours par jour pendant 6 jours. Il y en a une, c'est 5 cours. Un cours par jour pendant 5 jours. Il y en a une autre, c'est le couteau suisse de l'artiste peintre. Alors c'est 5 cours que vous recevrez en même temps, d'une seule fois, dès que vous êtes inscrit. Alors il faut s'inscrire pour recevoir... Par courriel finalement. Vous avez juste à mettre votre prénom, l'adresse courriel. On ne demande pas l'adresse, nom, tout ça là. Et les, euh, les informations ne sont pas divulguées. Je vous le dis, là, c'est pas... Vous recevrez pas des, des publicités euh, de compagnie euh, à cause de, de moi parce que vous aurez mis les adresses de courriel là dans mon, euh, On va dire... Euh, en vous inscrivant, là, vous inquiétez pas. Puis vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Moi, je vais vous envoyer. Euh, de temps en temps peut-être des informations comme par exemple ah ben, j'ai créé une nouvelle formation gratuite si vous voulez vous y inscrire pour la, la recevoir bon, mais là vous allez recevoir ce genre de courriel là, là. mais euh, je vous bombarde pas de, de messages d'une part puis vous n'en recevrez pas de, de personnes euh, tierces que, que, que moi c'est juste moi qui les envoie ne vous inquiétez pas ça n'est pas divulgué voilà donc là, vous voyez, on commence. À... Ah, ben là, maintenant, on va éclaircir plus. Là, je vais aller avec la teinte un peu plus pâle. Et voilà. Et comme ça, on va continuer à. Alors là, on, on essaye de suivre un petit peu le, le, le dessin où on trouve les plus, cl... les plus clairs sur le, le, la photo. Et des fois, ils sont regroupés par endroits. Il faut faire attention de ne pas trop appuyer le, le, le pinceau pour pas que ce soit trop épais. Hein. Ça reste des poils minces. On essaye juste à peine d'effleurer de la toile. Alors si des fois on a mis trop épais, on va revenir avec un petit peu de foncé pour désépaissir certains poils. Faut pas s'inquiéter. Vous avez vu, on est rendu à une couleur supplémentaire. On a fait les noirs, les bruns foncés, les bruns moyens. Là on est dans un brun plus clair. Mais ça n'est pas encore le plus clair de tout, tout, toute la... Le pelage. Voilà. J'ai déchargé un peu mon pinceau ici. Parce qu'il était trop chargé de peinture. On peut le décharger aussi un peu sur la palette comme ça. Si on a trop de peinture dessus, ça va faire des, des poils trop épais. Hein. Voilà. Et ces poils-là qu'on fait maintenant, ils sont beaucoup, beaucoup plus courts. Je vais juste éclaircir encore un peu. Beaucoup plus courts. Alors, on pourrait aller beaucoup plus lentement, comme ceci, prendre notre pinceau, puis juste venir à peine, à peine effleurer comme ça, voilà. Puis là, on aurait un tableau, euh, un poil beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réaliste, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, euh, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne le ferai pas hyper réaliste. Ça va avoir un air réaliste, mais pas hyper réaliste, parce que sinon, ça prendrait vraiment trop, trop, trop de temps. Mais vous allez comprendre le principe, c'est ça l'essentiel c'est que vous compreniez le principe de l'application de la peinture pour réaliser le pelage. Voilà, ici on a du poil qui est plus long, qui est dans ce sens-là, puis on en a un petit peu dans ce sens-là aussi, mais la plupart est dans ce sens-là. Voilà. Alors voilà, une manière de gagner du temps, c'est de les faire un peu plus épais comme ça, puis de revenir dedans après, les couper un petit peu, les désépaissir. Avec du plus foncé, c'est pour ça souvent je termine avec du foncé, du clair et du foncé à la fin. Alors qu'on devrait plutôt normalement terminer avec du clair. Voilà, je ne suis pas en accéléré, c'est ma vitesse normale. Je n'ai pas accéléré la vidéo, hein, c'est la vitesse normale. Voilà, J'accélère le nombre de coups de pinceau à la seconde, à la minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez, à peu près peut-être... Je ne sais pas combien j'en fais à la minute, mais c'est pas mal. De manière à ben, sauver du temps, à gagner du temps un petit peu, là, pas... Passer trois heures là-dessus, je pense pas que vous regarderiez une vidéo qui dure trois heures. L'avantage, quand même, de la vidéo c'est que vous pouvez l'arrêter, euh, faire une pause, vous pouvez sur la, la barre de défilement en bas l'avancer un peu pour aller voir ce que ça va donner plus loin, sans être obligé de tout regarder. Bien que pendant que je le fais, je parle et des fois je donne des explications, des, euh, des choses assez intéressantes. Comme par exemple, si on m'a donné votre mouvement, vous préférez faire un mouvement toujours à gauche comme ça, puis vous avez une courbe dans l'autre sens. Ben, tournez la toile, mettez-la dans l'autre sens, et vous allez voir que vous allez faire plus facilement la courbe dans l'autre sens. Hein. Vous avez vu que j'ai commencé à éclaircir un peu plus là Voilà, on va faire, on va rester revenir un peu dans le plus foncé ici. Là, pas trop trop clair parce que cette zone n'est pas si claire que ça ici. Voilà. Ici, on a du poil plus flou. Hein. C'est la photographie qui a fait ça, qui est plus flou. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais au début, c'est le, le nombre de coups de pinceau qui va faire le réalisme, c'est ça. Après ça, le, le nombre de coups de pinceau, mais aussi la, la grosseur du trait la longueur du trait, donc la quantité de, de temps qui sera appliqué là-dessus. C'est ça qui va faire le réalisme. Ok, on va éclaircir bien, bien, bien. Là. Je prends du blanc, beaucoup de blanc. Encore du blanc. Dans ce clair finalement, dans ce beige. Et là, on va y aller. Hop, on revient ici. Alors là, c'est les... Les touches les plus claires, celles qui vont faire euh, finalement un peu plus briller le poil. Quand on donne les coups de pinceau, vous voyez, en exagérant, le pinceau, vu qu'on fait des, des coups comme ceci, il, va, il est en haut, il descend, il effleure la toile et il remonte. Il descend, il effleure la toile et il remonte. Donc, le côté gauche, le côté droit, va nous donner des pointus finalement. Il n'y a pas de point de départ, de point de, de touche forte au début. C'est vraiment. Euh, alors, tu sais de pas appuyer, c'est vraiment effleurer la toile. Oh, vous voyez celui-là est trop fort. Bon, ben, on va le, on va l'atténuer après. Là. Vous allez voir, on va tous ceux qui sont trop gros, trop épais, trop forts, on va venir les on va dire les diviser. qui reste plus mince. Alors des fois c'est un petit peu plus désordonné, le sens du poil d'un sens dans l'autre ici ils sont un petit peu croisés. Je reviens dans un ton un petit peu plus moyen, comme si j'avais un petit peu trop mis de clair, mais c'est pas grave. Voilà, on va alterner comme ça. Voyez ouais, là, ça me permet de revenir sur des clairs trop épais. Là, je vais diminuer un petit peu finalement la quantité de noir qui est dans le fond. Je vais rester foncé, un peu plus foncé. Vous voyez Plus brun. Je reviens plus brun. Plus brun, mais pas noir. Voilà. Et c'est là où je vais, Vous voyez, comme ici il est trop épaisse, hop, on divise en deux les touches trop épaisses. Ou en deux, ou en plus, là. celle-là ici, on va venir hop. Voilà, ici les noirs sont vraiment peut-être un petit peu trop noirs, c'est la photo qu'il le voulait là, mais on va pouvoir descendre un petit peu plus dans là la... pour rendre les noirs moins noirs. Adoucir ici cette zone, cette transition entre les foncés et les clairs. Voilà, vous comprenez un petit peu le principe, parce que là, pour euh, la porter, la vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus réaliste, il suffirait tout simplement de continuer, 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 encore, encore et longtemps, longtemps, avec toujours le même principe, le même style de autant de coups de pinceau que de couleurs, etc., etc. Donc euh, voilà un petit peu comment. Je vais mettre ici la photo voilà comment est-ce qu'on peut réaliser approximativement la même texture de, de pelage entre une photo et euh, euh, et la peinture acrylique voilà donc c'est un exemple de pelage que vous pouvez suivre lorsque vous aurez à faire des poils Là c'est un chat, donc des poils de chat, poils de chien, tout ce que vous voulez comme animaux, c'est la même chose. Euh, donc j'espère que cette vidéo va vous aider dans la réalisation de vos peintures de vos tableaux. Si vous voulez en apprendre encore plus, si vous voulez connaître des techniques, euh, des techniques de peinture comme ça ou des réalisations de, de tableaux en entier, si vous voulez en apprendre plus pour faire de la peinture, que ce soit des animaux, des paysages ou autres, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo qui vous amène vers une page, où vous allez vous inscrire juste pour recevoir par courriel, par message, par email, des codes d'accès pour accéder gratuitement à des formations, des mini-formations que j'appelle, parce que ce sont des, des groupes de 5 cours, de 6 cours euh, ensemble, de cours de peinture, où il y a de la théorie, de la technique. Donc c'est entièrement gratuit, inscrivez, cliquez dans les liens qui se trouvent dans la description, vous allez les recevoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Puis cliquez sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc merci beaucoup pour m'avoir suivi et à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.